Cet accordéon microtonal, je l'ai développé il y a 2 ans, en collaboration avec un facteur d'accordéon, Philippe Imbert. Et donc, j'en ai parlé à Jérôme, parce que justement, il amène des sonorités un peu étranges. Et comme Campo Santo, c'est un monde, quand même un univers assez atypique et étrange, l'accordéon participait en fait, avec ses sonorités, à la construction de cet univers. Il se joue comme d'un accordéon traditionnel, c'est-à-dire on peut continuer à jouer la musique classique dessus. Dans Campo Santo également, il y a une petite chanson russe, Rodina Moya, qui apparaît dans le spectacle. C'est une petite chanson qui fait... Ça, c'est un peu le souvenir en fait de ces personnes qui ont vécu à Pyramiden. C'est une partition que Jérôme Combier a découvert dans une salle de classe à Pyramiden. Et donc il réutilise cette mélodie dans le solo Kikapu qui apparaît dans le spectacle, mais alors qui est complètement grâce au quart de ton qui est un peu transformé. Où là, c'est un peu, ça donne un côté un peu plaintif à la musique, une dimension peut-être qu'elle n'a pas quand on se limite aux notes chromatiques, là, toutes ces couleurs apportées.